le monde, aujourd'hui je suis de retour, premièrement avec de nouvelles lumières d'éclairage. Là je viens de filmer une autre vidéo puis je sais pas trop laquelle va aller en ligne en premier, donc peut-être que je vais me répéter deux fois, là je m'excuse beaucoup. Mais je viens juste de recevoir mes fameuses lumières pour filmer. Je sais pas encore si l'éclairage est bon, dites-moi en commentaire là, si vous trouvez que c'est comme trop clair ou encore trop sombre ou peu importe. J'ai travaillé là, il faut que je m'essaie plusieurs fois à différents emplacements. Et puis sinon pour le background, je m'excuse, c'est pas super intéressant, mais demain je peinture ma chambre en blanc puis je suis vraiment excitée. Je vais travailler un peu sur la décoration aussi, ce qui est pas mon fort, mais au moins mon chum Alexis est super bon là-dedans, fait qu'il va pouvoir m'aider. Puis c'est ça, aujourd'hui je suis de retour avec une collaboration avec la magnifique Mila Brunette. Là, elle a changé son nom sur YouTube, donc je mettrai son lien en bas d'information de toute façon là. Mais Mila et moi, ça fait plusieurs temps qu'on se texte puis tout ça, puis qu'on veut vraiment faire une collaboration ensemble. Sauf que ça comme, elle donnait pas à cause de la fin, tu sais, à l'école puis tout ça. Puis là, les deux on avait filmé, puis les deux on aimait pas notre résultat, fait là on doit le refilmer encore. Donc c'est pour ça, mais je suis vraiment contente parce que on va vous présenter notre top 7 ou 8. Je pense qu'elle, il y a 7 produits, puis moi j'en ai 8. Donc moi de mon bord, je vais vous présenter mon top 8 de maquillage plus haut de gamme qui selon moi en vaut vraiment la peine. Et puis Mila de son côté va vous montrer son top 7 ou 8 de maquillage de pharmacie qu'elle préfère. En passant, j'ai vraiment aucune ordre particulier. Là, mon premier produit que je vous présente, c'est pas comme mon top 1 de tous les temps, là, pas du tout. Mais c'est la Tartelette palette de chez Tarte. Je sais qu'il y a une grosse vague là, sur comme toutes les palettes de chez Urban Decay, donc les Naked, les Bailey, tous les Naked, hein, peu importe. Là. Il y en a pas mal maintenant. Moi, personnellement, j'ai la Naked Basic 1, puis je l'ai vraiment beaucoup utilisée, je l'ai beaucoup aimée. Mais depuis que j'ai acheté ça, je vous dirais que c'est la seule palette que je touche. Je pourrais comme facilement donner toutes mes autres parce que je touche à rien d'autre que ça. Je me maquille rarement les yeux de toute façon, je suis pas quelqu'un qui adore faire ses yeux, j'aime beaucoup plus travailler mon teint, faire un pop de couleur sur mes lèvres, à part aujourd'hui, j'ai été plus dans le neutre. Cette palette là, elle est juste magnifique, si vous aimez les tons qui sont comme plus neutres et que vous aimez les ombres à paupières qui sont mates comme moi, c'est une palette parfaite pour vous parce que toutes les couleurs sont entièrement mates, ce que j'aime pas mal, j'aime pas trop ça les brillants moi sur les yeux. Puis comme vous voyez, vous avez des teintes vraiment comme neutres ici, vous avez des tons plus mauves, des tons plus comme t'sais, foncés pour faire des smokey eyes. Je trouve que c'est une palette, pour vrai, elle est juste parfaite, j'utilise juste ça. La couleur, la pigmentation, la durée, tout est vraiment parfait. Fait que si vous aimez ça, les trucs neutres et mat, je vous conseille vraiment celle-là. Prochain item, je pense que tout le monde connaît ça, c'est le fameux Concealer Pro Longwear de chez MAC. Le meilleur concealer vraiment que j'ai jamais utilisé de toute ma vie. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai et il commence juste à aller vers sa fin de vie, là. Il est presque vide. Puis il est super bien, pour vrai c'est le concealer le plus couvrant. Puis moi j'ai énormément de poches et de cernes, c'est quelque chose d'irrésistant dans ma famille, tout le monde en a. C'est la seule chose qui arrive vraiment à camoufler tout, sans être trop épais, sans creuser. Moi j'ai juste crissé avec une petite poudre là en dessous des yeux puis ça va vraiment faire la job. C'est vraiment un super bon concealer puis il est pas tant cher que ça, il est comme 20 $ je crois, mais il dure tellement une éternité, je pense que ça doit faire un an que je l'ai là, puis il m'en reste encore, fait que je vous conseille vraiment d'acheter ça aussi si vous avez des cernes à la mort comme moi. Ensuite, je vais vous parler des blushs de chez Benefit, surtout le Rocketeur. Donc j'aime vraiment tous les blushs de chez Benefit, qui premièrement leur emballage est juste vraiment cute. Ils sentent super bon, je sais pas qu'est-ce que ça sent, mais je trouve que c'est vraiment plaisant comme odeur. Puis ils sont bien, ils sont crémeux, ils sont faciles à appliquer, ils font pas des petites marques bizarres. C'est pas ce que j'ai aujourd'hui, aujourd'hui j'ai juste mis du bronzer sur mon visage. Mais sinon, le Rocketeur c'est vraiment une couleur parfaite, ok? C'est comme le vieux rose glowy parce qu'il n'y a pas de brillant dedans, il est juste vraiment glowy comme effet. Donc il n'y a même pas besoin de mettre un highlight après, là, ça fait vraiment la job. Il est vraiment super bon, ils sont comme 30 $ je crois, quelque chose du genre, vraiment super bien. Maintenant on va parler des sourcils, c'est un produit qui est vraiment pas cher, ben pas cher, c'est 19 $, mais pour vrai c'est le meilleur produit à sourcils que j'ai utilisé dans toute ma vie. Je le conseille à toutes mes clientes qui viennent me voir à la pharmacie et c'est de chez Clinique, c'est le très précis pour les sourcils. C'est un minuscule crayon super mince qui est parfait pour venir tracer vos sourcils, ok? Pour vrai, moi je viens surtout les tracer à la base ici parce qu'ils sont vraiment pas pareils mes sourcils, ok? Je sais, là, des fois vous me les dites, là, mais ils sont pas parfaits, mais je travaille là-dessus. Puis il est super crémeux, il est très facile, tu sais, c'est pas un crayon poudre parce que moi j'aime vraiment pas ça les crayons poudre, je trouve que c'est
juste trop dur à venir appliquer. Mais il est tellement bon pour vrai, il tient toute la journée, puis tu sais, il est vraiment pas si cher que ça, là. Je trouve que ça en vaut vraiment la peine pour 19$, donc voilà. Ensuite, ok, ça je dois dire que je pense que c'est peut-être mon top 1 de tous les temps. ça fait juste 2 semaines que je l'ai acheté, mais c'est le soin hydratant teinté Pure Radiance, de chez NARS. C'est une fille à ma job, moi, qui l'utilise, puis elle a dit que c'était la meilleure bébé crème, si on veut, de toute la vie. Puis moi, vous savez que j'ai une peau vraiment sèche, puis c'est vraiment rare les fonds de teint, les bébés crèmes même, qui me font pas paraître encore plus sèche, parce que j'ai souvent des petites plaques ici ou ici, et ça a l'air vraiment cakey, puis c'est vraiment pas beau. Et ça, je dois vous dire que c'est le seul fond de teint slash bébé crème slash hydratant teinté qui me fait pas paraître comme ça. Ça donne tellement un beau glow au visage, ils ont plein de teintes, il est assez couvrant quand même aussi, je vous dirais que si vous appliquez 2 couches, ça pourrait vraiment être super bien, mais sinon une fine couche pour tous les jours, c'est parfait, c'est le meilleur produit de teint à vie, vous devez aller essayer ça pour vrai, ok? Je vous conseille vraiment, au pire, aller demander un échantillon là, au Sephora, ça vaut vraiment la peine. Il est quand même dispendieux, je pense que c'est comme 50 $, sauf que vous avez 50 ml. Normalement, vous payez peut-être comme 40 $ pour comme 15 ou 20 ml ou 30 ml. Mais ça, vous en avez énormément beaucoup. Ma fille, ma job, elle m'a dit que ça allait durer plus qu'un an, puis il y en reste encore. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment un bon investissement. Puis pour vrai, je vais plus jamais racheter autre chose parce que c'est le meilleur produit de toute la vie. Échappé. Pour finir, je vais vous parler de 3 produits pour les lèvres qui c'est vraiment des favoris de tous les temps. Moi, j'ai vraiment un trip en ce moment avec les liquides lipstick qui sèchent en finima. Donc, il y a des rouges à lèvres liquides. Pardon, mon nez me pique. donc, c'est ça. Je vais vous parler de 2 compagnies qui, je trouve, se démarrent vraiment bien dans ce côté-là. Premièrement, j'ai les Kat Von D du Sephora. Bon, moi, j'ai la couleur Berlin. C'est une espèce de beau rose fuchsia. Oh mon dieu. Que je porte souvent dans mes photos comme Instagram ou sur Snapchat en passant. Si vous me suivez pas sur Snapchat, allez-y. J'aime vraiment ça interagir avec vous. C'est Jessica Les, je pense. En tout cas, allez voir un peu d'informations. Mais j'aime vraiment ça quand on sort des Snapchat. Là, je trouve qu'on est comme les meilleurs amis. Là. J'aime vraiment ça. Puis c'est ça. C'est super bien. C'est comme tellement fluide, liquide. On dirait qu'on applique de l'eau. Ça sèche mat, c'est vraiment vraiment pas asséchant pour les lèvres, pour vrai je le sens même pas, ça dure toute la journée, là, j'ai beau manger de la salade avec comme la vinaigrette dedans, puis ça va encore rester en place, sont vraiment, en tout cas ils en valent vraiment la peine selon moi. Puis sinon je vais vous parler de la compagnie Stila, qui se retrouve au Sephora et dans quelques pharmacies comme Amadja, moi on a cette compagnie là, puis je trouve que c'est vraiment une très bonne compagnie qui teste pas sur les animaux en passant, c'est vraiment le fun. Et puis, c'est leur Stay All Day Liquid Lipstick, comme c'est ici. Moi, j'ai la couleur patina, c'est une espèce de nude rosé foncé. J'ai le ok, je m'excuse. C'est vraiment une super de belle couleur, je pense que c'est le rouge à lèvres que je porte le plus dans tout ce que j'ai. Puis, en combo avec ça, genre, je dois vous parler de ça, là, j'ai pas le choix. C'est, j'en ai parlé une fois, je pense, quand je l'ai acheté, mais c'est le Lush Lips Water Plumping Primer de chez Stila. En gros, c'est comme une base pour les lèvres. Sous forme de gloss, comme vous voyez. Puis quand on l'applique, ça vient un peu parler la couleur naturelle de vos lèvres. Vous pourriez quasiment le laisser comme ça, mais c'est vraiment plus comme une base. Mais on dirait vraiment de l'eau, encore une fois. Okay? Pour vrai, tu l'appliques, puis ça glisse, c'est frais, c'est froid, c'est vraiment agréable. Puis ce qui est fun, c'est que votre rouge à lèvres après va vraiment venir tenir super longtemps. Vos lèvres vont rester vraiment hydratées vu que c'est à base d'eau. Puis je trouve aussi que ça vient vraiment lisser les lèvres. Donc si vous avez des petites lèvres gercées ou peu importe, ça vient vraiment lisser le tout. Fait votre rouge à lèvres après ça, l'application va se faire vraiment impact. Impact, est-ce que j'ai vraiment dit impact? Je pense qu'on dit impeccablement. Puis c'est ça, je recommande encore une fois à toutes mes clientes de faire ma prix parce que c'est vraiment un excellent produit. J'aime racheter ça jusqu'à la fin de mes jours parce que c'est juste vraiment super bien. Bon voilà, j'espère que c'était pas trop long. Merci beaucoup d'avoir écouté. Et là, allez voir la vidéo de la belle et magnifique Mila. En bas d'informations, le lien devrait être là. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye tout le monde!